Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires 2. Et aujourd'hui on s'attaque à la deuxième mission du didacticiel, excusez-moi, qui s'intitule Nourrir les armées. Après marcher et combat, nourrir les armées. Selon le vieux dicton, une armée ne se bat pas le ventre creux. Mes hommes ont pratiqué l'agriculture et l'élevage pendant des siècles. Mais réunir suffisamment de nourriture pour affamer toute une armée est une autre histoire. Sans d'importantes restrictions, les maigres forces que nous avons réussi à mettre sur pied vont à nouveau s'effondrer. Pour aider l'armée écossaise, vous aurez besoin d'augmenter vos réserves de ressources pour gagner. Vos stocks de nourriture, de bois et d'or doivent atteindre 50 chacun. Pour prendre de la nourriture dans les buissons, cliquez sur un villageois. Cliquez avec le bouton droit sur un buisson près du drapeau bleu. Dans la zone de situation en bas de l'écran, vous pouvez voir la quantité de nourriture transportée par le villageois. Le villageois continue à prendre de la nourriture dans le buisson jusqu'à ce que la quantité transportée atteigne 10. Le villageois va continuer à travailler pour vous en apportant de la nourriture au forum. La quantité de nourriture que vous avez s'affiche dans le coin, en haut à gauche de l'écran. En plus de votre réserve de nourriture, vous pouvez voir vos réserves de bois, d'or et de pierre. Plus vous avez de villageois, et plus vite vous accumulerez vos ressources. Chargez vos nouveaux villageois de trouver de la nourriture. Bien! Vous avez trouvé de l'or! Je vais juste passer deux secondes. Alors, je m'excuse, je passe juste deux secondes de l'arbre technologique. On voit, chaque faction a ses bonus et ses spécificités. Ah, attendez. Ah, c'est bien! Ils ont corrigé ce bug-là. En fait, avant, on avait tous les bonus et DLC supplémentaires. Ils les ont enlevés pour les premières campagnes. C'est très bon point. Donc ici, on a les bonus de chacune des civilisations. Certaines sont plus spécialisées à infanterie, d'autres défensives, d'autres cavalerie. Ça, c'est de l'infanterie, ça, c'est cavalerie. Voilà. Donc ici, on peut voir les ennemis, les alliés que vous connaissez pas. Vous allez ici, vous avez accès à toutes vos technologies, tout ce que vous pouvez débloquer et faire. Et surtout, chaque faction a un petit bonus. Par exemple, ici, j'ai un bonus que mon infanterie se déplace plus vite, de 15%. Mon infanterie, c'est mes hommes à pied, armés. Les bûcherons travaillent 15% plus vite. Mes armes sèches tirent 20% plus vite. Les moutons ne sont pas convertis s'ils sont dans ma ligne de mire. C'est en gros ma portée de vue de mes unités qui est autour du cercle. Mon unité unique, guerriguette, technologie unique, voilà, et les bonus d'équipe. Ici, les différents codes couleurs. Donc, quand vous... je passerai pas toujours ici hein, pour vous me présenter ça, ou uniquement dans la première mission. Dans la première mission de chacune des campagnes, pour que vous ayez en fait un petit aperçu vite fait de la faction, de ses forces et faiblesses. Voilà, donc voilà, c'est une faction spécialisée infanterie, les sectes. Voilà. Donc nous on va récupérer de la nourriture, on peut en récupérer avec les baies ou avec la chasse. En début de partie, c'est toujours préférable de chasser que d'utiliser les baies. Vous récoltez plus vite de la viande. Parce que vous pouvez récupérer plus de viande en fait. C'est juste pour ça. Et sinon voilà. Donc mes vidéos seront vraiment très courtes au début. Je m'en excuse mais... Je préfère vous faire des vidéos. Vraiment une vidéo par mission. Ça évite que ça soit trop long pour vous. Surtout qu'après quand on arrivera dans une mission ultérieure. Ça sera beaucoup, 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 beaucoup plus long. Et les bâtiments, bien joué. Maintenant, vous avez assez de bois. Parfait. Votre stock de nourriture est à 50. Pour gagner, vous devez aussi avoir un stock de 50 de bois et de 50 d'or. Bien. Vous avez trouvé de l'or. Pour ramasser du bois, cliquez sur un villageois, puis cliquez avec le bouton droit sur un arbre. Si vous n'avez pas encore trouvé d'or, cherchez dans le territoire inexploré. Vous êtes sur le bon chemin pour faire une ville. Excellent! Maintenant, vous...
Edward Longshanks, en dépit de son grand discrédit, a démontré en Écosse, en Angleterre et en France que ses tactiques militaires étaient très efficaces, si ce n'est cruel et impitoyable. C'est véritablement un ennemi à craindre. Les Anglais ont mis à sac la ville de Barry-Cup-on-Tweed. Ne parlons pas de bataille, c'était un effroyable massacre. Si nous n'organisons pas notre armée, nous en subirons beaucoup d'autres encore. Je souhaite que nous soyons prêts pour l'arrivée de Longshanks. Et voilà pour cette vidéo, donc je vous remercie de regarder en ma compagnie cette mission. Je vous dis à une prochaine fois, si la porte ouvre bien, et à ciao tout le monde. Et je sais, elle dure que 6 minutes cette vidéo. Mais c'est la règle. Bye, à ciao tout le monde.